le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, aujourd'hui, on se retrouve. Je suis encore toute de traviole parce que je ne suis pas à mon bureau. Pour vous dire, je fais ma feignantasse, je suis sur mon canapé. J'ai froid. Voilà. Donc, vous en foutez. Je reviens vers vous pour vous montrer une petite cartoonette que j'ai fait pour une copinette, pour son anniversaire. Donc, voilà, je voulais vous montrer. J'ai fait une petite carte avec ces blocs de chez Action, là, qu'on avait trouvé, je ne sais plus quand. Voilà, avec les petites bordures comme ça. Voilà, après, c'est du papier glacé. Voilà. Alors, le seul petit truc que je dirais, moi, qui est un petit peu gênant, c'est au moment de plier votre carte. Voilà, moi, ça m'est arrivé. Donc, avec ce genre de papier, quand on plie, il faut faire très attention. Voilà. Si on plie un peu fort, eh bien, ça craquoule un peu. Et puis ça marque très vite. Donc allez-y doucement. Ne faites pas comme moi. N'allez pas comme un bourrin. Bon, ça fout. Allez-y doucement pour le pliage. Voilà. Donc j'ai fait cette petite cartonnette. Oui, j'ai mis de côté un petit peu les papiers de Noël. Hein. Voilà. Donc, alors là, voilà. J'ai gardé. La petite vague là sur le côté, mais j'ai plié ma carte un petit peu plus petite. Voilà, je vous montrerai après, parce que si vous préférez, j'ai décalé, voilà, de manière à ce que j'ai un morceau à l'intérieur là pour faire une pochette. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai plié comme ça et j'ai rabattu le morceau là dedans. Voilà, pour faire une petite pochette. Parce que je voulais que ma carte s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc, je vais la détailler un petit peu. Ici, au bord, j'ai un dies. Voilà, avec effet dentelle. Je vous montrerai parce que c'était une commande que j'avais passée sur AliExpress bien avant Noël. Voilà, et je les ai reçus il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, je crois. Donc, je les ai essayés, bien entendu. Hein. Donc, cette petite découpe dentelle qui n'est pas très longue, mais on peut, sur une longueur de feuille, mettre le dies, le repositionner chaque fois et ça va très bien. Voilà. Ensuite, une découpe de napperon. J'en ai mis une autre en 3D. Dans le rose, j'ai fait ma découpe de joyeux anniversaire. Ici, j'ai mis de la dentelle avec des petites perlounettes, un nœud, un petit cœur, une petite rosette que j'ai fait, des petits pistils. Voilà, et ici en bas, j'ai mis un petit papillon. Donc la carte s'ouvre comme ceci. Voilà. Alors ici, j'ai gardé le négatif du second napperon. Voilà, je l'ai collé ici à l'intérieur. J'ai gardé aussi le négatif de la dentelle. Vous voyez, quand on la découpe, j'ai gardé ça aussi pour le mettre ici, pour faire un effet bordure dentelle. Voilà, donc j'ai gardé le négatif et à l'intérieur, j'ai glissé une petite carte avec une petite fleur rouge. Voilà. Le seul petit truc que j'ai coupé sur le négatif, voilà, ici, là, comme vous pouvez le voir, il y a des petites arabesques ici. Je suis à quatre pattes, je suis en train de glisser. Alors, je vais me retrouver allongée, les quatre fers en l'air. Vous voyez les petites, voilà, les petites arabesques. Là, par contre, je les ai coupées. Parce qu'au moment où on glissait la carte, on les abîmait, on les pliait. Donc j'ai dit, c'est dommage, voilà. Et là, alors, ici, j'ai eu ce dies aussi, cette petite...
on va dire branche de feuillage, j'ai bien aimé. Je l'ai mise en garniture sur ma petite pochette. Et là, j'ai redécoupé dans le napperon. Voilà. Joyeux anniversaire. Je l'ai embossé avec de la poudre embossée transparente. Voilà. Je vais me commander, mais je voudrais pas. Parce que pour vous parler de l'embossage, j'avais pris de la poudre embossée or de la marque Aladdin. Attention, je la critique pas ni rien, mais vous savez, elle fait un effet un peu craquelé. Donc c'est pas mal sur certaines créations. Mais je chercherai, enfin, je cherche toujours, enfin, je vais me la prendre, quoi. Je n'ai pas trop cherché, il faut dire, j'ai été occupée, tout ça. Mais je veux une poudre embossée, mais blanche, vraiment blanche comme ça. Mais alors, c'est ça que je voulais vous demander, les copinettes, si vous avez de la poudre embossée blanche, est-ce que vous avez pris une. Si Aladdin, voilà, oh Béa, je vais y arriver. Si la marque Aladdin fait exactement, si vous l'avez en blanc, fait cet effet craquelé ou non. Voilà, c'était pour savoir parce que je ne voulais pas recommander une poudre embossée avec un effet craquelé comme ça. Non, je préférerais une bien simple, quoi. Voilà, donc je vous ai tout dit. J'espère que vous m'avez compris. Pardon, excusez-moi. Donc, dans les commentaires, les copinettes, mettez-moi si vraiment cette poudre embossée blanche Aladdin fait des petits cratères. Voilà. Donc, voilà mon petit napperon, ton sur ton, et puis derrière, j'écrirai le petit mot à la copinette. Et ici, je suis venue y mettre un petit ruban. Voilà, les copinous et les copinettes, eh bien, écoutez, c'était juste pour vous montrer ça. Voilà, dire, ben, voilà, pour vous donner une petite idée de ce que j'ai fait avec. Ces papiers-là, voilà, après je sais qu'on peut faire des tas de choses, mais moi j'ai fait cette petite cartounette-là et je me suis dit, ben pourquoi pas la montrer aux copinettes, ça pourra leur donner peut-être une petite idée. Voilà, ben écoutez, sur ce, je vous fais plein, plein de gros bisous, comme d'habitude. Encore une très bonne année à celles qui n'auraient pas vu la précédente vidéo ou aux nouvelles abonnées, voilà, on est de plus en plus nombreux et ça, je kiffe, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Je vous embrasse tous et toutes très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous bisous.